Standardni dron ne bi mogao otkriti ništa skriveno u travi, no sofisticiraniji dron omogućuje prepoznavanje srna koje se skrivaju na poljima. Zato se ovi volonteri iz Švicarske zaklade za spašavanje lanadi sastaju u Zoru. Oni pomažu u spašavanju lanadi od teških strojeva tijekom žetve koja se podudara s razdobljem kada srne donose mlade na svijet. Alors les chevreuils et les cerfs mettent bas environ en début mai, de début mai à c'est arrivé mi-juillet. Et elles mettent bas non pas dans des bois, mais dans des prairies d'herbe qui jouxtent les bois. Donc notre rôle c'est de survoler les lisières et les parcelles qui sont à proximité des bois. Tim koristi dronove opremljene termovizijskim kamerama kako bi pronašao lanad. Problem je u tome što ženka skriva svoje mladunče u poljima s visokom travom, a zatim ga ostavlja tamo dok odlazi u potragu za hranom. Mladunčad ostaje potpuno nepomična dok se ona ne vrati. Ne miču se čak ni kada se ogromni poljoprivredni strojevi približe, zbog čega često stradaju ili bivaju ozlijeđena. Volonteri blisko surađuju s farmerima. On peut planifier nos interventions à la maison en fonction de l'appel de l'agriculteur qui va nous informer des parcelles, numéro de cadastre, qui permet de les situer exactement. Kada spasioci pronađu životinje skrivene u travi, stave drvenu kutiju na njih kako bi upozorili farmera na njihovu lokaciju. Et nous avons encagé, on appelle encagé, c'est-à-dire que sur des fonds immobiles, très jeunes, on renverse une caisse à claire-voie dessus, il ne bouge pas, et on indique la position de la caisse avec un drapeau, et l'agriculteur fauche, tourne autour de la caisse. Une fois qu'il a terminé la fauche de cette parcelle, il va relever la caisse, le fond ne bouge toujours pas, et c'est la mère qui vient reprendre son petit pour l'emmener ailleurs. Tisuće lanadi svake godine stradaju u Švicarskoj od poljoprivrednih strojeva tijekom sezone košenja. No ova inicijativa pomaže da ostanu živa.